J'aime pas le sport parce que après je suis fatiguée. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Moi je voulais faire du sport mais des fois on n'a pas le temps. Salut les enfants. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous voir tous réunis. Vous allez passer une journée incroyable, entièrement consacrée à vous et à votre forme. L'Institut des Rencontres de la Forme a imaginé un programme dynamique, innovant. On essaie de travailler sur ce qu'on appelle la balance énergétique, c'est-à-dire les apports, la nutrition, l'alimentation et puis l'activité physique. Alors aujourd'hui les enfants, on va tester votre forme. Vous allez découvrir plein d'activités, mais on va aussi parler alimentation avec l'atelier Croque ta forme. Ça c'est la base du programme Jump ta forme. Vous êtes prêts ? Oui ! J'entends pas là, vous êtes prêts ? Au début, Jump ta forme, c'est surprenant par l'originalité. Parce que je me dis, tiens, un dispositif qui s'intéresse aux jeunes non pratiquants pour proposer une activité non compétitive. C'est la première fois en fait qu'on nous proposait un projet qui alliait la nutrition et la pratique d'une activité physique et sportive. Donc du coup, nous, on a trouvé ça innovant et du coup, on s'est un peu jeté à l'eau. On ne bouge plus, alors on enlève 12 cm pour le chignon. Tiens, mademoiselle, tu peux remettre tes baskets. Je prends ta fiche, tu colles bien les pieds au mur, on se met pas sur la pointe des pieds, non. On souhaite faire prendre conscience aux enfants qu'ils ont toutes et tous des capacités pour essayer de pratiquer. Pratiquer dans la proximité le sport qu'ils ont envie de faire, du basket, du football, de l'athlétisme ou autre. On n'est pas là pour faire une compétition, d'accord, mais on est là quand même pour bouger. Donc le Diagnoforme, c'est 5 ateliers réalisés dans un ordre précis qui permettent de mesurer les grandes qualités physiques des enfants. Respirez. Les tests sont toujours tournés de manière positive pour toujours présenter le point fort. Ça n'est nullement de stigmatiser les enfants. Et donc, cette approche un petit peu mobilisatrice qui est aussi sur la prise de conscience, eh ben, à un moment donné, ça va être déclencheur pour l'enfant et ça va lui donner véritablement envie de bouger plus, donc de trouver l'association qui lui va bien et d'en parler et de faire le lien avec ses parents après. Jump ta forme, c'est un tremplin pour les associations. À la fin de leur parcours sur le dispositif Jump ta forme, chaque enfant, chaque groupe d'enfants repart avec son petit listing des associations, l'intégralité des associations sportives de la ville, avec les coordonnées, les lieux de pratique. Vous avez aimé, lors de Jump ta forme, cette activité. Vous pouvez venir quand vous voulez, voilà. Le troisième atelier, Croque ta forme. Donc, c'est un atelier qui permet de donner des conseils sur l'alimentation et plus particulièrement sur le petit déjeuner. Est-ce que vous prenez tous un petit déjeuner ? Oui ! Il y a une diététicienne en fait, qui anime cet atelier. Donc, en fait, elle explique quels sont les groupes alimentaires, l'importance du petit déjeuner pour être éveillé à l'école, être réactif et pouvoir être en forme toute la journée. Du jus d'orange, deux tartines de Nutella.
Habituellement, je bois du jus d'orange et je mange des petits gâteaux. Mais maintenant, je vais essayer de faire ce que la dame m'a dit. Donc, de boire un jus d'orange, manger un yaourt et des céréales. Pour bien grandir, il faut faire du sport et manger beaucoup de fruits et des légumes. Une journée, ça ne suffit pas. On va être aussi sur des choses beaucoup plus durables et beaucoup plus en profondeur. Après, nous, on souhaite pérenniser cette action en allant essayer de chercher quels sont les freins à la pratique sportive. À partir de là, si on réussit à faire suffisamment d'entretien, avoir suffisamment d'informations, à les recouper, nous, ça nous permettra d'apporter des solutions, soit en aidant financièrement, soit en proposant un minibus de ramassage qui vienne chercher les enfants pour les amener sur le lieu de pratique, si c'est ce frein-là qui est identifié. Ou ça peut être, dans un autre cas, des aménagements d'un espace, comme une cour d'école ou autre, pour justement pratiquer. Donc l'idée, c'est subvention, c'est concret, c'est dans la pérennisation pour qu'il y ait des choses qui durent et qui puissent être utilisées demain, à la fois par le service des sports, à la fois par les habitants, à la fois par le tissu associatif, mais aussi par l'école. Avec Jump Ta Forme, on est tous sur le même bateau, on va tous dans la même direction. Ce qu'on veut tous, à la fin, la finalité, c'est les enfants, c'est la pratique sportive qui est importante pour rester en forme, garder à côté une bonne nutrition, une bonne alimentation. Je pense qu'on peut dire que c'est une vraie belle idée originale dont on a envie de se saisir.